sommes le vendredi 25 mars sur une terrasse de Pythagorion. Il fait enfin agréable et bon. Et on est devant le bâtiment des douanes et des gardes-côtes pour faire notre sortie de Grèce pour aller en Turquie. Mais aujourd'hui, on ne savait pas, c'est la journée de l'indépendance de la Grèce et le bureau de douane allait refermer. Donc, on patiente un petit moment pour voir si quelqu'un arrive. C'est un peu tôt pour un ouzo, donc café. Voilà le chef du bateau. Ouzo, t'es le chef du bateau, toi, hein? Ouais. Non, ça c'est la ficelle du téléphone. Ah, c'est vraiment ça. Ça, ça fait partie du téléphone. Voilà, nous sommes le 27 mars. Il est 5h moins quart. Mais il y a le changement d'horaire, donc on était au lit à minuit, ça fait une petite nuit. Et aujourd'hui, on part pour la Turquie. Pour l'instant, pas trop d'air. Normalement, on est censé avoir du vent du nord. Vu qu'on descend au sud, ce serait impeccable. Selon les prévisions météo, du nord 15 nœuds. Là, ici, ça fait pire encore. Et il faudra que on dise au petit chat qui dort dans notre lit d'aller se voir ailleurs ce coup-ci. Il va nous manquer un peu, on l'a appelé Ouzo. Et là, on va préparer le café. Voilà, 7h du matin. Donc le départ, voilà ma louloute, c'est parti pour la Turquie alors. Voilà, au revoir Pythagorion, on reviendra au mois de novembre si les plans ne changent pas. La marina s'éloigne, on quitte Samos. Douze nœuds de vent au grand largue. On va y aller déjà rien qu'au génois. Et dans un petit moment, on sera déjà dans les eaux turques. On mettra le pavillon turc et le pavillon jaune pour indiquer que on n'a pas encore passé la douane. Voilà une belle journée qui s'annonce. L'étoile filante est en route pour la Turquie. Garde turque. Voilà, on a pu naviguer au portant pendant 1h30. On était grand largue et maintenant le vent a subitement tourné et on est vent debout.
Voilà, 10h moins 20. On se les pèle un peu. Donc là, on a vite presserré rien qu'au Génois pour l'instant. C'est pas très stable. On a déjà fait. On est parti à 7h ce matin, donc 2h. 2h30 un peu plus. On a fait 12,6 000. Là, ici, on voit l'AIS, ça c'est un catamaran au moteur qui nous a dépassé. Et ça, c'est certainement deux bateaux de pêche. Il y en a un qui est du côté grec. Ça, la ligne rouge, c'est la frontière. Et celui-là, côté turc. Voilà, et puis là, on a encore 11,8 000 à faire jusqu'au changement de cap, et à la vitesse actuelle on arriverait vers 12h30. Ça caille un peu quand même, hein. Voilà la position quand il fait froid. Assis sur la descente du bateau, sous la capote. Et il fait bon. Là, on arrive dans l'angle ici, et Didim, c'est par là. Et le vent est complètement tombé. Donc, moteur! Voilà, on est à 3,5 000 de la marina de Didim. On a des fonds à 6 mètres. On approche de Didim et ici on voit tous les bateaux de le port qui ont le AIS enclenché. Voilà l'entrée du port de Didim. Il y a des grosses unités, hein. Alors on attend que les marineros arrivent. Là ils ont mis en place, enfin ils sont en train de mettre en place un des bateaux qui est rentré juste avant nous. Et je pense qu'on va peut-être être par là au fond. Ça me paraît des bateaux de taille un peu plus modeste. Voilà, les marineros sont venus nous chercher. On va aller à côté du Cata, là-bas, on dirait. Voilà, marée de la marina de Didim. Côté d'un magnifique lagoon 45. Et voilà. On va aller faire la paperasse à la capitainerie. On a un agent qui s'est occupé en principe de nous faire tous les documents nécessaires pour naviguer en Turquie pendant 90 jours. Voilà, on est à
La marina est à 4 km de la petite ville d'Odidim. Donc on y va en bus. Voilà un petit plat de grillade. Voici à Didim, avec une longue avenue centrale qui doit bien faire 4-5 km. Avec plein d'échoppes et de magasins, un Carrefour, une Migros 3M. Voilà la place avec Atatürk, le père fondateur de la Turquie. La plage de Didim. Étoile filante à Marie. Voilà, on a reçu notre transit log nous autorisant à naviguer dans les eaux turques. Avec ici quelques explications et règles. Là aussi. Et voilà, les papiers. Je t'aime fait tamponner. Et ici après, sur des nouveaux équipages qui arrivent, nouvelle feuille à remplir et à faire tamponner. Voilà, donc on est prêt pour naviguer dans les eaux turques pour 90 jours. Voilà, nous voici au nord de la ville de Didim. Et nous allons visiter, je ne sais pas si c'est le temple d'Apollon, on va voir. Voilà pour les proportions. Il y a ma petite Stella à côté et on se demande quand même ces gros piliers, comment ils arrivaient à les empiler à l'époque. C'est juste impressionnant. Voilà une petite approche. Les colonnades sont à 25 mètres de haut. C'est quand même impressionnant, hein. On n'est pas submergé par les touristes, hein. Voilà, petit passage
sous les oliviers. Et une petite vue d'ensemble du site. De ce temple d'Apollon. Voilà, ici cette avenue de 5 km, l'avenue Atatürk, qui descend jusqu'au bord de la mer. Voilà. Voilà, des rues latérales perpendiculaires au boulevard Atatürk. Une grande mosquée. Ici sur le marché. Ah, de l'ambiance ici, hein, Loulou. Allez, on continue. Voilà, une petite pause lors du marché avec petit thé. Voilà, un côté de l'entrée du port de Didim. Les bateaux sont des emballages cadeaux. Là ici le chantier est vraiment très très grand, ça c'est juste un petit coin avec les bateaux les plus petits. Voilà un bout du chantier. Là, ici, on est sûr d'acheter des grosses unités. Là, ça dégomme pas mal dans la marina. Voilà, aujourd'hui, corvée diesel, remplir le stock, 85 litres de réserve. Donc, on va aller chercher un bidon à la station. Voilà, on est parti pour chercher le dernier bidon. Là, c'est le coin des Kata. Là-bas, le tout gros. Ah, celui-là, il est joli. Mon bidon. Voilà. Et l'étoile filante, elle est là. Voilà. Et retour au bateau. Voilà les bidons à bord. Et on est rangé là-dedans. Et on va rajouter un petit peu de produit contre les bactéries directement dans chaque bidon, comme ça quand on fera le plein, ce sera déjà dedans. Donc là le réservoir est plein avec 135 litres et 83 litres ici, plus celui-là, ça fait une centaine de litres.
Voilà, nous sommes dimanche 3 avril. Normalement, on devait partir aujourd'hui du port. On avait pris 8 jours, ce qui nous a fait 400 euros. Et pour des raisons familiales, il faut qu'on retourne rapidement en Suisse. Donc on a un vol, on est dimanche demain matin à 3h, retour en Suisse. Et je pense qu'on devrait y rester une vingtaine de jours. Or ici, le port n'a pas été très arrangeant parce qu'ils nous ont donc facturé une semaine à 400 balles. Et j'ai demandé qu'ils nous fassent le rabais pour un mois. Donc on est arrivé le 27, on s'est dit ben, jusqu'au 27 avril. Ils ont refusé, donc ils nous ont compté un mois depuis la date d'aujourd'hui. Ce qui nous a juste coûté la bagatelle de 800 euros. Donc ils sont vraiment pas cool. Ah voilà, donc c'est pas grave, mais on est en train de préparer le bateau pour rentrer en Suisse. Alors voilà, donc on va finir cette vidéo là, puis on reprendra une nouvelle vidéo. Dès notre retour, on sera certainement avec nos amis Pascal et Martine qui viennent nous rejoindre pour naviguer en Turquie. Allez, bye bye.